Et what's up YouTube, c'est Faber PC. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Et putain, ça y est, je suis content. Enfin une vidéo où je vais pas filmer quelqu'un d'autre. Enfin une vidéo où je vais rouler le Dragster de Def Racing, la machine officielle que je pilote en Italie. Et là, ça fait plaisir. Il y a eu énormément d'améliorations sur cette machine. Là actuellement c'est un record de banc. Mais bon, je pense que Franz, il va prendre la caméra, il va en parler de lui-même. Et donc là, on est là en journée d'entraînement. On va taper du 150 mètres, voire 200 mètres. Et j'ai hâte. Ça fait 8 mois que je l'ai pas conduit. On va y aller cash à fond, il n'y a pas de... voilà. Bon ben là, on est parti pour le premier tir, après 8 mois d'inactivité, 8 mois sans toucher le guidon du drag. J'ai tellement hâte. J'ai ma combi. Regardez, il en galère tellement. C'est comme les couilles du pape la combi. Il en galère tellement. What the fuck? T'as pas de frein avant mec hein? Ça va, il est passé d'une droite là. Là c'est pour borner. Ah, bien falloir que je vais le tenir. Ouais. À froid ou à chaud le feu? À froid, okay. Là tout de suite. Ouais. Ah, le pneu neuf ça accroche hein. Ça fait du bien. 5-8 direct. Ah ouais, direct hein. Bah, net. Mieux qu'à l'urci déjà. Avec le petit tu vois pas haut mais linéaire. Ouais. Bien, 145. Bien. Ça fait 145 gars, ça fait du bien. 5-8 premier tir. Bam. Combien de vitesse? 145. Ah ouais. Bon du coup Franzi il a touché la carbe, alors à savoir que le pneu il était neuf, je pense que c'est pour ça qu'on a eu pas mal de grippe, mais pour un premier start c'était vraiment pas mal. Comme j'ai dit hein, je vais envoyer du start, ça fait 8 mois que j'attends ce moment donc j'étais obligé d'envoyer du start. J'ai fait un bon départ sans grippe, un petit peu de wheeling sans couper les gaz, on a tiré 150 mètres, on a fait un très bon chrono. Donc là je crois qu'il a fait de la carbe, parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé, ouais, moi je conduis c'est tout. Il a fait de la carbe et on va y retourner. Pas du patinage artistique là. Je crois que j'ai vu 5,80 et quelques. 86. Ouais, 5,86. 145,3. 100 mètres, 4,55. On a perdu, ouais. C'est le départ. Le départ, voilà. Ah ouais, mais après c'est mieux le carte. Mais la carte c'est mieux. Ouais. Tu refais le même chrono. Ouais. Thank you.
des gras, il y avait plein de parasites dessus. T'étais trop rapide. 5,87 j'ai fait. Mais il avait plein de parasites. Il s'éteignait, il se rallumait, il s'éteignait. Comme un code barre à chaque fois au milieu de l'écran. 5,87. 147, 147. 147, oh salope. Mais j'ai encore patiné, hein. Ouais, ouais, ça a sauté. Ouais. Ça a fait comme une des bosses, on dirait qu'il y a des bosses là. Il y a des bosses au bout après, mais pas, au départ j'ai pas senti de bosses, mais j'ai senti on que j'ai que patiné. Moins que tout à l'heure. Ça rebondit derrière. Tu sais, on dirait que ça rebondit. Moins que tout à l'heure, mais j'ai quand même patiné. Décaler, peut-être. Là, bon, Franzi, 8 mois yes. après. Yes. 8 mois après, qu'est-ce que t'as fait dessus? Écoute, petit dépoussiérage, petit nettoyage. Petit dépoussiérage, petit nettoyage. On a vu danger l'essence, bien sûr, hein, hivernage. Non, ce que j'ai fait sérieusement, c'est j'ai un cylindre qu'on avait, enfin vous avez vu sur une précédente vidéo de l'RPC où on l'avait bloqué. Ouais. Voilà. Extrait. Et donc là, il est de retour ce cylindre-là. Donc là, on fait un test aujourd'hui justement pour le réessayer après un Nicasil neuf. Et bon, après quelques petits tirs au banc, mais rien d'extraordinaire, un pneu neuf aussi dessus. Et j'ai acheté une imprimante 3D, donc j'ai fait deux petites pièces de tulip, enfin deux trois petits trucs à essayer. Mais en gros, dans l'ensemble, ça reste la même machine que l'année précédente. Mais t'as chopé un record de banc? J'ai chopé un petit record de banc. Voilà, et ça s'est senti quand même aux premiers essais quand même. Voilà. Ouais, j'ai chopé un petit record de banc, donc là, la puissance qui s'accroît un petit peu, donc c'est pas mal. Un petit 0,5 en plus, bah, avec des petits 0,5, on arrive à quelque chose de pas mal, ça se ressent aussi au chrono et à la vitesse. Ah, ça se ressent même au pilotage. Ça faisait 8 mois que j'avais pas conduit après, mais ça se ressent quand même. Et c'est libre 3. Je rigole. Ça trace ça? Ouais. Il a plus foncé. Ah, on la voit. Tout ça là. Ah, je vous fais le tracé avec le doigt là. Bah, je crois que t'as même pas peur, hein. Si, je le fais, c'est stylé. C'est marrant. Voilà, tout ça c'est lui. Tout ça là. Bah, c'est lui. Grosse trace de Gomard, monseigneur. En vrai, il a fait une sale trace, ce bâtard. Hein. Non, vous avez la coupé, le coup, encore. Et il faisait pareil, il grésillait. Ouais, la batterie elle doit être dedans. Hein. Allez, petit onboard, caméra sur le casque, let's go. C'est parti les amis. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons y arriver à descendre ces putains de 5-8. Chaud ? C'est bon. Tu restes là ? Okay. Ça a grippé fort, ça a levé, c'est parti à droite, ça a fait n'importe quoi. C'était comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais c'est parti à droite, sur la gauche, j'ai pas coupé, mais c'est parti n'importe comment. Ah, ça a grippé tout de suite là. Attends. Vas-y. Tiens. Faut que tu descratches. J'avais le chrono embarqué. C'est bon. Et il a coupé aussi? C'est. Quand tu roules pour DF Racing, t'as l'impression que tu roules pour. Mercedes, AMG, Petronas, Formule. Bon. Trop dans le futur cette équipe. Allez les suivre sur Instagram les gars, ça s'affiche juste à l'écran.
Et il mérite de ouf les gars, il mérite. Bon, on a fait un tir qui était vraiment propre pour moi au ressenti et même eux visuellement, on a quand même regardé au micron. Le problème c'est que le chrono n'a pas marché. Donc on retry. Et pour le dernier run les gars, j'ai mis la caméra Insta 360 vue de derrière. Je pense que ça va faire une vue de malade. Donc encore un gros merci à Insta 360 de m'avoir sponsorisé. Pour ceux que ça intéresse, si vous voyez le plan et vous kiffez, le lien de la caméra il sera en description les gars. Comme le lien de mon shop, il y a les t-shirts, les gants, tout ça. Allez, je m'équipe et on y retourne. Mètre, ça marche. Charbonné là hein. J'ai essayé au max de pas m'appuyer sur ce côté. Putain. Mais c'est peut-être qu'après avec la combi. Non, franchement, j'ai pas forcé dessus vraiment. Hein. Ouais, mais même si tu forces pas, tu sais. Non, mais il doit plus aimer les vibrations là, hein, les grosses vibrations. Hein. Parce que mine de rien, je vibre quand même, tu vois. Bon, le chrono il a pas encore marché. Il va encore en faire, hein. Ben, on y retourne. Vas-y. Juste tu burnes, puis après c'est bon. Il est bien allumé, ouais. Il a coupé net. Ouais, il aime pas les vibrations. Il a coupé net. Cash. Et tu le mets par-dessus sur lui là. Attends, après je mets un gros bout de mousse. C'est bizarre parce que regarde. Ah si, regarde là, tu vois, il le fait. On le risque à la durite. Au pire. Hein. Ouais, on va le mettre à la durite. Allez, c'est bon. Marché. Mais le run était tellement propre. J'ai vu au burn, il s'allumait, il s'est éteint. Ouais, ouais. Par contre, le run, un bijou encore. Les trois derniers, mon gars, bijou sa mère. Hein. On passe tout au sol. Hein. On passe tout au sol là. Hein. Mais non, j'ai regardé au bout. Il s'est rallumé là, hein, après. Hein. Quand j'ai dit qu'il y avait que, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il a enlevé le câble de la batterie, il a branché le solo sur la batterie du micro. Enfin, tout comme ça. Et ben, on y retourne, c'est pas fini encore. Allez, let's go. T'es prêt? Bien sûr. Allez, là, j'espère qu'on aura le chrono. Ah, c'est le dernier run pour la GoPro aussi, je pense. Ah ouais? 13%. C'est le dernier run pour moi aussi parce que j'en peux plus là. Hein. Ah ouais, c'est pas attaché. Heureusement que tu dis ça parce que je serais parti comme ça. Hein. Oh, je suis à 2 à l'heure. Hein. Je suis fatigué. Même quand t'as dit. Allez, let's go. Ouais, avoue, t'es un peu seul. Quoi. Non. Non, c'est bon. Ah, ça va. Attends qu'il s'allume tout. Fin de vidéo un petit peu brutale, ça tombe bien, il n'y avait plus de batterie dans la GoPro et j'avais plus de batterie non plus.
Là, je fais la fin de la vidéo quelques jours après, donc ça fait pas de mal de pas faire un débrief direct après la vidéo. Comme vous avez pu le voir, les gars, le 100cc DF Racing marche de fou. C'est un truc de malade, c'est un avion de chasse. Donc, de toute façon, vous avez vu à la miniature, on a fait le 0 à 100 en temps de secondes, je me rappelle plus de tête. On s'est entraîné sur 150 mètres, et à chaque run, on va dire qu'on arrivait à progresser, tu vois. Donc, on a essayé des runs sans burner, on a essayé des runs pneus froids, en burner un petit peu, couverture chauffante, voilà, on a tout essayé. Et c'est à ça que ça sert les journées test comme on vient de faire, du coup, dans la vidéo que vous avez vue là. On s'est entraîné sur 150 mètres et on a quand même fait 147 km à l'heure tout pile sur 150 mètres, ce qui est vraiment un excellent score. Reste plus qu'à voir au chrono à l'Urcy-Lévis. En parlant de l'Urcy-Lévis, les gars, j'ai juste un petit truc à vous dire. La dernière fois que j'ai mis une vidéo à l'Urcy-Lévis, ils m'avaient tanné sur Instagram. Mais tu m'as pas dit d'aller à l'Urcy-Lévis. Les gars, le week-end du 12 et 13 juin, je leur dis en face de moi, je serai donc présent au circuit de l'Urcy-Lévis tout le week-end pour le premier meeting de l'année. Alors vous le prenez comme vous voulez, il est officiel, il n'est pas officiel. En tout cas, toute l'équipe de Arnaud Arce se démène, se bouge le cul pour nous faire rouler avec des chronos officiels sur 150 ou 200 mètres, je sais pas. Et tout un week-end, Arnaud a privatisé toute la piste. Donc si vous voulez venir me voir ou voir les machines, voir carrément une compétition de dragster, parce que pour moi c'est une compétition, étant donné qu'avec le Covid on ne roule plus, pour moi c'est une compétition. Si vous voulez nous voir, ça se passe au circuit de l'Urcy-Lévis, au Meeting Art 3.0. Et c'est le week-end du 12 et 13 juin. T'as la petite photo qui apparaît à l'écran, c'est ici. Et après, si vous voulez des trucs du shop RPC, les gants, les t-shirts, les stickers, les goodies, n'importe. Comme ça, vous passez pas par le site, vous chopez pas les frais de port. Moi, je peux vous les amener en main propre directement sur place. Pour ceux que ça intéresse, les gars, je suis en streaming tous les soirs. Ici, c'est mon petit setup de gaming où je joue à Call of ou F1 dans le simulateur là, ici. Derrière, tu vois, il y a le petit Spitro qui est à l'écran. Je sais pas si vous voyez bien, on est dans le noir. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat, tous mes réseaux sociaux, je poste régulièrement, je suis assez actif en ce moment. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, un petit like, un petit commentaire, un petit partage sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Faber PC, peace. I'm just saying.